Pat, j'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de messages là concernant ma dernière story avec le masque à l'hôpital. Alors, bon voilà, je pense qu'il n'y a rien de grave. Peut-être le Covid, j'attends là les résultats. On était tous malades. Thiago malade, Angelina malade. Tous malades. Manon, elle est passée entre les mailles du filet. Donc, soit il y a un virus qui tourne parce que j'ai pas mal d'amis à moi sur Dubaï qui est malade. Mais les symptômes, trop bizarres. Genre, j'ai pas de fièvre. Je tousse pas. Mais j'ai froid, genre je suis congelé, on dirait que je suis au ski. J'ai froid. J'ai des courbatures à plus pouvoir marcher, à pas utiliser mes jambes tellement que j'ai mal. Même allongé, j'ai mal. C'est une dinguerie. Donc voilà, j'attends le test Covid là. Et si c'est pas ça, ben c'est un virus, on sait pas. Les gens dehors vont me prendre pour un fou. Je me gèle, j'ai froid, il fait 40 degrés. Les gens dehors vont me prendre pour un fou. Bon, ben les frères, on est en aménagement ici, tranquille. Là, c'est le deuxième salon. Ah, la salle de jeu, il y a du boulot là dans la salle de jeu. Aujourd'hui, on est sur une journée, mon dado très malade. Hein. Tu nous racontes ce qui s'est passé cette nuit et aujourd'hui. En fait, moi, ça vomit cette nuit. Ouais, combien de fois? 1000. Non, peut-être pas. 3 fois. Ouais. Et t'as eu de la fièvre aussi? Hein, mon amour chat? Mon dado, il a eu beaucoup de fièvre. Il a eu 40,8 carrément. Je suis très inquiète. Voilà, donc là, on va faire un petit jeu de société. Pour pas faire que de la télé, dessins animés, tout ça. On fait des choses un peu calmes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va raconter notre propre histoire, c'est ça? Tu m'expliques? C'est comme ça. Ça, faut le trouver. L'autre côté, je le vois, ouais. Là. Les toi. Ok. On va pas bien loin. On va là, à 20 mètres. On va essayer d'aller acheter du pain à la boulangerie. Voilà. On a la chance d'avoir une boulangerie qui est juste là. Nous, on habite là. Et la boulangerie, elle est là au bout de la rue. Voilà. Alors qu'à Dubaï, c'est très rare, les boulangeries. Hein. Donc on a vraiment, vraiment beaucoup de chance de pouvoir acheter du bon pain frais. Non, hein, pas de gâteau aujourd'hui. Ce soir, on va se faire des petits œufs à la coque. Hein? Modèle. Une petite Bubu qui a été à l'école aujourd'hui parce qu'elle va mieux et un Thiago qui n'a pas été à l'école. Hein? Parce qu'on est rentré tard de l'hôpital. Mais tu vas quand même beaucoup mieux là. Regarde maman. Hein? T'as l'air en pleine forme. Oui. Bon, allez. Coucou tout le monde. Bon allez, c'est parti, on arrive dans notre nouvelle maison, normalement on devrait emménager demain, et là, normalement, il y a du changement. Bon allez, coucou tout le monde, je suis contente, on est dans notre nouvelle maison, je pense qu'on va emménager demain, voilà. Là, il y a tout qui a été désinfecté, nettoyé, purifié, que ce soit tous les canapés, que ce soit les matelas, les meubles, même les clims, voilà, ils ont enlevé les grilles des clims, ils ont bien nettoyé l'intérieur avec un aspirateur spécial, voilà, plusieurs étapes. Et malgré que ce soit une maison toute neuve, donc on s'y attendait pas, il y avait une tonne de poussière dans les clims. Je vais vous montrer des avant-après de ma clim, c'est hallucinant. Donc heureusement qu'on l'a fait parce que c'est généralement à cause de ça, sinon qu'on tombe malade. Voilà, et j'ai fait appel à une compagnie, je l'ai trouvée grâce à Mila, la compagnie, elle était vraiment top. Ma'am, 10 seconds of this light, ma'am. And in a few seconds of vacuuming, ma'am. Deep vacuuming is what has come out, ma'am. Vraiment trop contente parce que je me dis qu'avec toute cette poussière qu'il y avait dans les matelas, dans les clims, dans les sofas, le nombre d'allergies qu'on a pu éviter, le nombre de maladies, de docteurs, de médicaments à prendre. Hein. Donc je pensais pas qu'il y avait autant, je pensais pas que c'était aussi important de faire ça. Et très fragile, donc je suis trop trop contente. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah, à le faire parce que on utilise énormément les clims nous ici et je pense que dans toutes les maisons c'est pareil. Hein. Lui dire. I can do with you. I can do with you. Yeah. En tout cas, je suis contente parce que mon bébé il a vraiment fait des progrès en anglais. Hein, mon amour, elle est vraiment bien cette nouvelle école. Hein.